avez fait un sacrifice. Vous avez abandonné ce qui est important pour venir ici. Et Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Je remercie le Seigneur pour la présence de mon ami, le révérend Alain. Il m'a dit qu'il venait, il ne m'a pas appelé directement, il est là. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont venus là pour m'écouter. Et il y a mon frère là-bas au fond qui m'avait fait la promesse en route qu'il viendrait pour me soutenir. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique. Voilà, verset chapitre 23. Verset 24. Je vais lire. Parle aux enfants d'Israël. Et dis, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publié au son des trompettes. Et une sainte convocation. Prenons encore Osée chapitre 6. Verset 1 et 2. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Temple de Père Céleste. Toi, le Dieu de William Marin Branham, le Dieu de ses glorieux messages. Toi, la colonne de feu, la nuée de gloire. Nous venons, Seigneur, devant toi pour te glorifier. Nous élevons ton saint et glorieux nom. Nous te disons merci pour ces grands privilèges, Seigneur. Et de ce que tu nous as amené en ce lieu, Père, pour écouter une parole venant de toi. En ce jour, Seigneur, nous croyons que l'éternité est descendue, Père, pour nous apporter, Seigneur, tout ce qui a été dans ta pensée éternelle. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes dans l'expectative que tu viendras toi-même, Père, prendre préminence, Seigneur, du haut de cette chair, Seigneur, en fait de parler à ton peuple. Donne-nous, Seigneur, un entendement spirituel. Ôte-nous, Seigneur, les cinq sens, Père, en fait que l'âme puisse saisir la chose. Que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Bénis cette église, bénis le pasteur Jules. Que tout soit pour ton honneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse pour que tu sois. Amen. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Alors, aujourd'hui, j'ai un tout petit sujet qu'on va partager. Comme je l'ai toujours dit, que moi, je n'ai touche rien sans passer par le 70e de Daniel. Le Père Branham dit que si vous manquez le 70e de Daniel, vous manquez le son. Vous manquez les trompettes. Vous manquez le fléau. Vous manquez tout. Donc vous manquez le message du Père Branham. Amen. Or la majorité des églises n'aiment pas le 70e de Daniel. C'est un livre poison. Ça peut détruire tout un ministère. Amen. Parce que les 70e de Daniel, c'est un mur qui vous offre des âges de l'église et vous met dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 11. Verset 15. Le septième ange sonna la trompette. Il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Vous avez vos Bibles là? La septième trompette, c'est le septième ange. Et le septième ange, c'est qui? Frère Branham. Et qu'est-ce que la septième trompette annonce?
Ça annonce le royaume du monde est venu à notre Seigneur. Je fais suite à ma prédication le rétablissement du royaume. Vous avez montré que le royaume est rétabli dans le cœur. Et quand on parle du cœur, ce n'est pas celui qui pompe le sang. Définition. Le frère Branham est allé plus loin. Il dit que le cœur c'est l'âme. Il dit que le royaume est rétabli dans l'âme. Je vais encore lire dans Monsieur quel est-il. Le frère Branham. Numéro 1. Le mystère du royaume des cieux. Ça, on a traité ça le dimanche. Amen. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Amen. Mon titre, c'est la grande trompette. Ou la septième trompette. Avant d'arriver au bout de ma prédication, vous comprenez déjà que celui qui sonne la septième trompette, c'est le septième ange. Et la septième trompette annonce la venue du royaume. Et la venue du royaume, c'est le troisième dessin. Amen. Amen. C'est la Bible et le frère Branham. Et si le septième ange quitte la scène sans sonner la septième trompette, qui rétablit le royaume. Donc il a échoué à sa mission. Et la septième trompette. Le frère Branham dit d'abord que les trompettes, il dit pourquoi? Parce que cela servait à appeler Israël. Et Israël est appelé par les six trompettes. Voilà pourquoi le frère Branham dit que le septième ange est sur la terre au moment de cet événement. Parce que le frère Branham dit que les sons ne sont pas ouverts dans les âges. C'est en dehors de sa dénomination. Quand vous voyez le dessin de la nuée, c'est là que c'est la pierre de Daniel. C'est quoi le travail? C'est pour briser la statue du roi. Quand on dit que Nabucodonosor avait vu le sage de l'église, c'est ce que Daniel avait expliqué. Mais la pierre qui est venue, c'est là que passait Daniel. Parce que c'était la venue d'un royaume. C'était le cinquième royaume qui est venu briser la statue du roi. C'est quoi briser? C'est-à-dire mettre à nu tout ce que l'église catholique a mis dans l'église. C'était ça la mort. La parole de l'homme baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dire que c'est l'église catholique qui sauve. Et avec Martin, le travail avait commencé. Parce que l'ange de Sardes veut dire les rescapés. Martin a commencé. Il dit que non. Ce n'est pas ça. Les justes vivent par la foi. Amen. Amen. Quand Martin est venu, il va publier les 95 thèses, les 95 thèses. Où il dévoile tous les secrets de l'église catholique. C'est Dieu qui était en train de ramener sur l'église. Mais durant tout ce temps-là, les juifs étaient dans l'aveuglement. Mais on s'est dit, le troisième jour, nous serons devant lui et nous arriverons devant lui. Le troisième jour. Amen. Nous allons voir maintenant si nous sommes dans quel jour. Reconnaître votre jour et votre message. Frère, au temps de Wesley, si vous adorez sous
Le ministère de Luther, c'est Antichrist. Amen. Ce qui était Pierre, au temps de Luther, vous l'amenez dans le Wesley, vous êtes un pécheur. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la l'église, mais il s'agit de reconnaître votre jour et votre message. Amen. Et au temps de Pentecôtisme, tu as même le message de Wesley, vous êtes un pécheur. On ne dit pas que quand on est maintenant Pentecôtiste, on abandonne la justification. Non, messieurs, les mystères du grain. Dans le grain, il y a les graines. Il y a le fait, il y a tout. Dans le grain, il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a l'adoption, il y a tout. Amen. Amen. Donc, on ajoute. On n'enlève pas, mais on ajoute. Mais si tu te mets dans le judaïsme, en rejetant le message de Jésus, tu es un pécheur. Malgré que tu es en train d'adorer Jésus. Alors, disons, durant les âges de l'église, l'église, les juifs étaient aveugles. Parce que Dieu ne travaille pas avec deux peuples à la fois. Il devait d'abord finir avec les gentils afin de racheter les juifs. Dans les 70, c'est de Daniel. Ici, nous avons les âges de l'église. Comme on l'a dit, ici, c'était les 3 ans et demi. Ça explique ça, quand on va avoir les premières catastrophes. Amen. Amen. Et ici, c'était les 2 jours. Il n'y a pas de cycle biblique. Ok? Amen. Après les 2 jours, les juifs doivent être appelés. Parce qu'ils ont été avec eux pour nous. Et après les 2 jours, c'est la paix des juifs. Ici nous avons le fils de l'homme. Le fils de l'homme. C'est ça. Exact. Et ici aussi nous avons le fils de l'homme. Et ici nous avons la 70e semaine. Tout ça. Le frère a dit que le sacre de l'église était un mystère pour le juif. Parce qu'après les 3 ans et demi, le Messie a été retranché. Où est parti le Messie? Le Messie est entré dans les âges de l'église. Donc quand le Seigneur est parti au ciel, il n'est pas parti s'asseoir. Il est parti chez les gentils. Et les juifs sont restés sans Dieu. Dans le but de racheter les gentils. Parce que dans sa première venue, c'était pour racheter les juifs. Le mystère a été interrompu. Le Messie a été retranché. Et il a déclenché les âges de l'église. Parce que quand Pierre s'est rencontré avec Paul, Pierre dit à Paul que toi tu as été envoyé pour les gentils. C'est là où Paul commence les âges de l'église avec l'âge de fesses. Jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Et le frère Paul nous dit que ici Jésus est le fils de Dieu. Amen. Il n'est pas le fils de l'homme dans les âges de l'église. C'est un fils de Dieu. Et si on voit la manifestation du fils de l'homme, cela vient pour compléter la 70e semaine. Parce que cela a été interrompu. Écoutez ce que le frère Branham dit. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. C'est dans Romains 11:25. Le troisième mystère, c'est le mystère de la translation du Saint. Donc, même la translation, c'est un mystère. Et tous ces mystères, c'est dans la mesure qui est utile. Une écriture passée par Apocalypse chapitre 10. Sur Apocalypse chapitre 10. Écoutez, le quatrième mystère, c'est celui de l'église du Nouveau Testament, formant un seul corps, composé à la fois des juifs et des gentils. Apocalypse chapitre 10.
ufunuo sura 10 la Bible dit que Biblia inasema kwamba il n'y a ni juif hakuna hata Myahudi ni gentil car tous sont dans Christ. Maana wote wako ndani ya Kristo. Ana descendre na niwe wakati mimi nashuka tout le monde est là. C'est le quatrième mystère qui s'accomplit. Et vous allez voir que la même nuée, c'est ça la grande trompette. Amen. Vous allez arriver là. Amen. Et la nuée, c'est Matthieu 17. Et Matthieu 17, c'est Élie, Élie et Moïse. Amen. Maï, maï, maï. Romains 11. La Bible dit ceci. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturel, et tenté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils en fait selon leur nature sur leur propre olivier? Maintenant, quand je ne veux pas, rien que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens, c'est ici. Pas là-bas. Il est le Fils de Dieu. Quand on parle du Fils de l'homme, nous sommes en dehors de la totalité des païens. Et c'est là que ça s'accomplit le plus jour osé. Quand vous voyez le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est pas pour les gentils. Le Fils de l'homme, c'est pour les justes. Beaucoup de gens disent que pour faire vraiment manifester le Fils de l'homme. Mais c'est pour qui? C'est pour les juifs. Mais il y a un mystère là-dedans. Parce que nous avons ici la pyramide. Il est Kuba. Ok? Masomo. La pyramide. On a Kuba à c'est ça. C'est ça. Oui. Et les femmes ont dit que. Dans les sages de l'église, c'est du premier au troisième saut. Et la pierre de fait, c'est le septième saut. Le quatrième saut, c'est le saut d'enlèvement. Ils sont passés le cinquième et le sixième saut. On est passé où dans la pyramide? C'est là où ici nous avons le mystère du Fils de l'homme. Enfin, le Fils de Dieu. Pendant les âges. Et ici c'est le ministère du Fils de David. Amen. Amen. Mais les femmes ont dit, avant de redevenir fils de David, il doit d'abord être le fils de l'homme. Et nous voyons que le cinquième et le sixième sont accomplis entre la pierre de fête et les âges de Jésus. C'est ce que nous avons appelé le ministère du tout. Dieu nous a donné un pour accueillir la tête. Et la tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que passe la période de 3 ans et demi qui servent pour appeler les juifs. Il dit que Jésus s'est révélé aux Juifs. Il s'est révélé aux Samaritains. Il est resté les gentils. Et les gentils, c'est la race d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu s'est révélé à Abraham, les deux saints sont partis à Sodome. C'est Dieu Sodome. C'est les anges de l'Église. Abraham, mon serviteur, ça complétait dans les 3 ans et demi.
tribulation. Les événements. Dans les trois derniers. Il y a l'enlèvement. Parce que quand Jean monte, après 7:5, il voit le livre fermé. Jacques pleure. Il est encore au ciel. On dit Jean ne pleure pas. Car le nain de la tribu de Juda a vaincu. Vous ouvrez le livre. Et brisez les seaux. Et on ouvre le livre. Après chapitre 6. Jean est toujours au ciel. Et après chapitre 7. Il y a un événement qui se passe sur la terre. Si vous lisez après chapitre 7. C'est là où s'est tourné le sac à l'entrée. Et le frère Manon me dit. Mathématiquement, ça devait être là. Mais le 8e. Apocalypse chapitre 8. Nous voyons maintenant le 7e saut. Il y a eu un silence. Où? Dans le ciel. Toujours au ciel. Et Apocalypse chapitre 9. Ce sont les trompettes. Apocalypse chapitre 8 et 9, ce sont les trompettes. On arrive à chapitre 10. Les trompettes s'arrêtent. Et là, il n'y avait que 6 trompettes. Après ce qui nous passe, on arrive à Apocalypse chapitre 11. Le chapitre 2 termine. On nous parle encore du 7e ange. Qui sonne la 7e trompette. Moi j'ai toujours dit, si le message de Branham nous amène à l'enfer, moi je suis mort déjà. Moi j'accepte d'aller dans l'enfer des frères Branham. En dehors du message de frère Branham, il n'y a aucun message. Tout celui qui est en dehors de William Branham, il est déjà mort. Et les 7 jours, c'est les âges de l'église. C'est là que la parole a été tuée. Par les dogmes, mais elle est crédible. Si tu dis que tu es dans la Odyssée, c'est que tu es dans l'âge de l'église. C'est ça la tombe. Et aujourd'hui, le début. T'as dit ta coumé. Réveille-toi. Fais le prière. Réveille-toi. Il a vu les pentecôtistes. Deux personnes. Un interprété. Et l'autre parlant langue. Quand il regarde comme ça, il dit que un c'était un hypocrite. Et l'autre était un chrétien authentique. Et quand il avait été embrouillé, il est parti dormir dans le champ de maïs. Arrivé là-bas, la Bible souffre. Elle lui ouvre les épaules. La Bible lui dit, la pluie tombe sur les bons et les méchants. Et il a fermé la Bible. Ça s'ouvre à la même page. Même écriture. C'est là où on avait compris que la chose était mélangée. Et Dieu l'avait demandé à appeler les gens à sortir. Tu restes dans la Odyssée. Oh, là, c'est la Odyssée. C'est clôture avec un enlèvement. Ah, le repas qu'on continue dans la Odyssée. Et on a dit à Jean, monte. Il était toujours dans l'île de Patmos. Piqué par les scorpions. Déjà dans la nuit, c'est la qui est notre position à Dieu. Dieu se cache et se réveille dans la simplicité. Ne pensez pas que les choses de Dieu sont là pour frapper les regards. La Bible dit que le rôle de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dans toute simplicité, Dieu a accompli sa parole. Alléluia. Écoutez maintenant. La Bible dit ceci. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Tout Israël n'est pas Israël. Israël. Amen. Amen. Tout
Parce que le ministère du fils de l'homme, c'était le frère Branham. Les 144 hommes devaient être appelés dans le ministère du frère Branham. Si le frère Branham est parti, ne parlez plus de 144. C'est le que Benjamin Netanyahu, c'est le pas, il n'est pas 144. Et pour les seulement les 144, ce n'est que le baptême du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un baptise le Saint-Esprit, ça ne fait pas de bruit. Quand vous attendez les 144 000, vous serez resté en arrière. Amen. C'est là qu'il est écrit. Maï, écoutez. Les libérateurs viendront les sillons. Ah, je me sens bien. C'est quoi sillon? C'est le pouce. Et le pouce c'est qui? C'est vrai, madame. Et comme elle dit, comme les juifs ont amené l'évangile chez les gentils, les gentils les ramèneront tout au juif. Mais selon le plan de Joseph, ce ne sont pas les gentils qui iront là-bas. Les juifs vont venir ici. Et il y a eu le rabbin pentecôtiste. Il est venu dans la prédication au moment que le frère Branham prêchait. Et il y a le frère Michelson. Le frère Branham dit que Michelson a un poids pour son peuple. Le frère Branham, si tu pouvais partir là-bas, les juifs croiront à ton ministère. Parce que les juifs croient les signes. C'est vous les gentils. Quand vous voyez un homme tourner les dos, vous vous attendez Jésus. Pas à l'église. Vous les gentils. Quand vous voyez un homme discerner le passé, vous attendez Dieu. Pas les juifs. Jésus là-bas, il n'a pas été reconnu par son visage. Laissez-moi prendre Marc 16. Marc chapitre 16. Je prends le verset 12. Définition de concept, très important. Wow. Le message se développe. Amen. Marc 7. Marc 7. Vous êtes là, Marc 7. Je vous dis ceci. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il apparut comment? Sous une autre forme. Ça, c'est trois jours après. C'est ce qu'on appelle Jésus transfiguré. C'est ça Jésus transfiguré. Donc, trois jours après, il est apparu aux disciples sous une autre forme. Maintenant, comment est-ce que les disciples les reconnaissent? Ils ont marché avec lui en parlant. Alors, c'était le prophète. Ils ne comprenaient toujours pas. Et le frère Branham me dit que la marche du chemin de Maus, c'est les sept âges de Christ. Il était à l'âge de Fès. Personne ne les connaissait. Même quand Paul était là, Jésus était là. Le frère Branham me dit que Jésus n'a jamais quitté la terre. Il est toujours ici. Quand il a fini avec les juifs, il est parti sur les gentils. Quand il finit avec les gentils, il va dans les juifs. Ange Smyrne, Martin, Irénée, Jésus était toujours là. Martin, ainsi de suite, Jésus était toujours là. Mais on ne pouvait pas les reconnaître. Mais arrivé à l'âge de la Odyssée, quand il a manifesté Luc 17:30, lorsqu'il a discerné le passé, lorsqu'il a tourné le dos, on a compris que c'est lui. Et Luc 17:30, ce n'est pas Apocalypse chapitre 10. Luc 17:30, vient pour clôturer les âges de Christ, pour clôturer le deuxième décès qui était de prendre préminence à son église. Il s'est exprimé dans son église. Amen. 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 Matthieu 24. Matthieu 24. Wow.
30. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtront dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Qui veut dire? Bakolela. Soyez c'est quoi? Dis-moi mon frère. Batalia. J'aime ça, soyez. La pédale est soyez. Écoutez. C'est qui est? Et elles verront le Fils de l'homme venir sur quoi? Sur les nuées. À part la venue de cette nuée, il n'y a aucune autre venue de la nuée. Ça, c'est la dernière venue. C'est là où il vient avec un cheval blanc. Comme on dit, le cheval, c'est une puissance. Ce n'est pas les chevaux de permis. C'est une puissance. Définition. Avec puissance et une gloire. C'est la nuée de gloire. Le Fils de l'homme. Il enverra ses anges avec la trompette. Plusieurs anges. Une trompette. C'est là que vous avez sur les anges de l'église. Il contenait Paul, Paolo, parce qu'il dit, j'ai prêché exactement comme un. Oh. Il avait à lui Paul, Irénée, Martin, Martino, Colomba, Luther, Wesley, Wesley, voilà. Parce que la couleur de l'âge de l'Odyssée, c'est la couleur violée. Une couleur violée, c'est la somme de toutes les couleurs. Ce sont les, tous les messagers, tous les anges, dans son âge, sont une trompette. C'est quoi une trompette? Un message. Merci Jésus. Il faut que ce soit clair. Donc ça, on ne dira pas que le frère Eric est en train de prêcher ses pommes. Écoutez maintenant. Matthieu 24. 32. Infusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Merci Jésus. Fais de pour l'épaule. Allons exactement. Un figuier, c'est quoi? Israël. Israël. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Chez nous là-bas c'est le printemps. Durant l'hiver, les arbres meurent. Mais comme j'ai laissé là, les arbres sont en train de pousser maintenant. Cela veut dire que l'été est proche. C'est le figuier, c'est Israël. Écoutez. Moukesh. Comme dit le Balouba, nous on va monter en Mokuta. De même. À nous, ça veut dire qu'ici, il faut bien manger. Vous savez, quand l'aigle monte loin, le vautour aussi veut suivre. Le vautour, plus qu'il suit l'aigle, la chute est fracassée. Il va se désintégrer. Ça, ce sont les choses des aigles. Et quand l'aigle monte loin, quand il descend, il devient un lion. Il a quoi Simba? Parce qu'il est monté comme un aigle. Mais il retourne comme un lion. Il a rougi à Simba. Il rugit comme un lion. Il a voulu à Simba. Pourquoi il rugit? Parce qu'il a voulu. Pour réclamer. Il a voulu à les élus. Parce que l'aigle ne réclame pas les élus. Alléluia. Les quatre êtres vivants sont allés pour combattre les chevaux. Vous avez dit que c'était le même cheval.
C'était un bon cavalier, pardon. Qui ne faisait que changer les chevaux. Quand on arrive au quatrième être vivant, et le diable avait son dernier cheval qui était le cheval pâle. Et le quatrième être vivant, c'était l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle a fait? L'aigle est le seul oiseau qui peut voler très loin. C'était d'abord le lion, animal de la terre. Et après c'était le veau, l'animal de la terre. Et après c'était l'homme, la terre. Mais le quatrième dans le septième âge de l'église, c'est un aigle, un oiseau des hôtels. Voilà pourquoi l'être vivant a été représenté par un aigle aux oiseaux déployés, aux ailes déployées. Quand l'aigle est parti, il est parti très haut. L'aigle a vu l'ouverture du livre. Mais quand il redescend, il change. Ce n'est plus un aigle, mais c'est un lion. Il rougit avec colère. Les yeux comme les flammes de feu. Le femme a dit que c'est un juge. Il n'était pas juge que les anges de l'église. Dans les anges de l'église, il était sacrificateur. Un juge ne rachète pas. C'est le sacrificateur qui rachète. Et quand il descend, femme a dit remarquer, ça se tient au niveau de la poitrine. Et il a une perruque blanche. Il dit que c'est le juge anglais. Depuis 1963, le juge est arrivé, il ne juge pas, il doit juger. Comment est-ce qu'il juge? La Bible dit, les saints jugeront la terre. Parce que le Bible dit que la voix des grands des eaux, c'est la voix des sept messagers. Définition. Définition des concepts. Alléluia. Amen. Écoutez. Amen. Dès que ces branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Jean a dit que le royaume de Dieu est proche. Jésus vient, il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Quand on dit proche, on dit proche venir, ça y est là. Amen. Merci Seigneur. Définition. Jésus était lui-même le royaume. À ce temps-là, il était lui-même le royaume. Et aujourd'hui, Jésus est lui-même le royaume. Quand il descend, c'est pour établir le royaume. Comme il est lui-même le royaume, il s'établit lui-même dans le cœur. Parce que Jésus est la parole. Comme je l'ai dit, au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait pas de Bible. Mais il avait la parole. Le pape a la Bible. Mais il n'a pas la parole. Les pentecôtistes là-bas, ils ont des Bibles. Mais ils n'ont pas de parole. C'est quoi la parole? C'est le logos. Et le logos, c'est le concept derrière les mots. Amen. Quand on parle de la mort, vous voyez les retours à la poussière. Mais le logos, c'est que la parole, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Quand on parle du royaume, vous voyez le royaume d'Angleterre. Mais le logos, c'est dit que le royaume, c'est la parole. Le royaume, c'est Christ. Et ça, dans l'âme de l'homme. Amen. Donc, vous avez besoin du logos pour expliquer la Bible. Et le logos, c'est la parole de Dieu qui est descendue sur la tête de Frère Branham. C'est ça le logos. C'est ça la parole. Tout écrit qui n'a pas ça, il a des paroles. Amen. Que ça soit clair.
Oui, vas-y, vas-y, Kabisa. Définition. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité. Cette génération ne passera point. Que tout cela arrive. Je sais que vous avez un grand enseignance. La génération compte combien? Et le frère Madame dit, depuis que Israël était une nation, comptez 40 ans. Vous aviez de 46 jusqu'à 86. Et notre calendrier est en retard. Et le frère Madame dit que les jours devaient être abrégés. Ah. Et le frère Madame dit, voici qui se tient à la porte. Et il frappe. C'est lui qui frappe. N'est pas d'état. Il est dehors. Frère Madame dit que Jésus a été chassé de la Odyssée. Il était dehors. Il a prêché le roi rejeté. Et le roi c'est Jésus. La parole, le logos, dans son prophète. Pour le juif. Quand les juifs attendent Dieu, ils attendent un prophète. Frère Madame dit que Dieu nous visitera comme un prophète. C'est pourquoi nous chantons le grand jour s'est levé et nous a visité. Nous allons chanter ça. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Il ouvre les prisons. Les prisons, c'est les églises. Ici, ce n'est pas une affaire des églises. Ici, c'est la parole. Parce que les prisons et les geôliers, ce sont les prédicateurs. Pas tous les prédicateurs. Amen. Ce sont des prisons. Parce que au temps des Juifs, les géoliers étaient caïphes. C'est lui qui ne voulait pas que les gens suivent Jésus. Et aujourd'hui, on a vu les géoliers au temps de Frère Branham. Et aujourd'hui, on a encore les géoliers. Nous sommes censés croire le Frère Branham. Peu importe. Je vous ai donné mon témoignage. Mon pasteur n'a pas voulu croire les sept tonnerres. Moi, quand j'ai vu dans la Bible, il marchait. Parce que quand tu meurs, le frère Madame dit qu'il n'y a que des places pour toi et Jésus. Le pasteur ne sera pas là. Ni papa, ni maman. C'est une affaire individuelle. Croyons à la liberté de la religion. J'ai toujours dit à mon église, vous êtes libre. Tu me choisis comme pasteur, c'est bien que Dieu te bénisse. Si tu penses que ce que je prêche ne te plaît pas, je ne ferai pas de compromis à cause des brebis. Moi, je suis frère Branham. La colonne de feu devant, les prophètes, et moi je suis. Si toi tu me quittes, c'est ton problème. Après tout, il s'agit aussi de mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la fin des trompettes. Le frère Branham dit ceci. Au paragraphe 142. Qui fonga bien moi qui mettez là le marqueur. Ça c'est un mouéli. Parce que si j'arrive à mon temps, tu me fais signe. Tu vas dire comme ça je continue le prochain. Tu as les vunja. Je vais pas terminer. Je vais pas finir. Tu me fais simplement signe. Tu as niambi à tout avant de m'aller ça. Écoutez. Sidieli. Maintenant le marqueur. Ça c'est un mouéli. La trompette sert à appeler les gens à se rassembler. Quand il y a un coup, on écoute. Amen. Amen. Donc si la trompette ne donne pas un son clair, qui va se rassembler pour la bataille? Le frère Branham dit ceci. La trompette appelle les gens à se réunir en vue de quelque chose. Parfois, elle annonçait une personne importante à son âme. Comme en Égypte, la trompette
actionné pour introduire Joseph. Et qui est Joseph? Le Père Abraham dit que Joseph est le type parfait de Jésus. Écoutez maintenant. Par exemple, pour Joseph, il sonnait la trompette à l'apparition de Joseph. Ce qui est un symbole de la grande trompette. Vous êtes avec moi? Les trompettes appellent les rassemblements. Mais la grande trompette fait l'entrée de Joseph. Et nous allons étudier c'est quoi cette trompette. C'est un symbole de la grande trompette dont nous parlons et que nous allons voir tantôt dans Ésaïe. Où il est dit, quand la grande trompette sonnera, quand cet étendard sera élevé là-haut, alors le moment viendra où on sonnera la grande trompette. Et toutes les nations, toutes les nations se rassemblera à Jérusalem. Qui est le roi de Jérusalem? C'est Melchizedek. Et aujourd'hui nous a prêché. Qui est ce Melchizedek? Le Père m'a dit, quand Abraham a vu Melchizedek, il avait compris que son royaume n'est pas loin. Et quand vous voyez Melchizedek, quand il veut devant nous, c'est que Melchizedek, son royaume n'est pas loin. C'est quoi le royaume de Melchizedek? C'est Jésus lui-même. Parce qu'il est lui-même le royaume. Parce qu'il est la parole. Le royaume de Melchizedek, c'est la parole. Amen. Merci, toutes les nations se rassembleront à Jérusalem. Pas à cette Jérusalem. Je vous avais dit que ça c'est Agar. Il est en servitude avec ses enfants. C'est la Bible qui le dit. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est ça notre Père. Pardon, notre Mère. Vous voulez un passage biblique ou vous me croyez? Vous me croyez? Merci beaucoup. La fin des trompettes, ça commence. Des fois, madame, ici. Oh, la raison pour laquelle ces sept trompettes ne s'appliquaient pas à cette église ici. Amen. Le frère Banam dit à Billy Paul, va réserver la salle, la climatisation, parce que je vais prêcher les sept trompettes. Vous êtes avec moi? Et quand le frère Banam se préparait, il dit à Meda, chérie, je vais aller prier. Quand il est parti prier, Dieu lui dit, ne prêche plus les sept trompettes. Car tu les as déjà prêchées. Tout manière, hein? Amen. Amen. Donc les sept trompettes ont été prêchées par le frère Branham. Mais, la guinée, d'une manière, hein? Oh, les trompettes ne concernent pas les plus gentils. Donc le frère Benoît l'a prêché à qui? Donnez-moi la réponse. Écoutez, le frère Benoît dit ceci. C'est parce que c'est uniquement pour Israël. Il est apprécié sur les gentils. Non, monsieur. Pourquoi? Parce que c'est uniquement pour Israël. Donc, William Branham a apprécié les juifs. Les trompettes. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Le frère Branham dit ceci. C'est la paix pour le rassemblement des gens. Et bon. Il n'y a qu'une
une chose dont je veux que vous saisissiez l'essence. Dans quelques minutes, des voix, c'est des voix. Pourquoi ceci ne s'applique pas à cet âge où nous vivons? Les sept trompettes. Donc, les sept trompettes ne sonnent pas ici. Ça sonne en dehors des âges. Et la septième trompette, c'est Matthieu 17. Ça ne sonne non plus dans les trois ans et demi. Et le frère Bana me dit que les trompettes ont sonné sous les sixième sceaux. La nuit, c'est le quatrième sceau. C'est le septième sceau. Parce que le frère Bana me dit que le septième sceau, c'est Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Si vous voulez comprendre le septième sceau, c'est ça là. Et dans la prédication, quelle est cette attraction sur la montagne? Et on me pose la question. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est Dieu qui a accomplissé sa parole. L'Apocalypse est 10. Définition. Je vais m'arrêter ici. C'est bon. 5 minutes. Je ne vais pas finir de toute façon. Parce qu'on doit descendre jusqu'à la grande trompette. On donne les détails et les définitions. Vous êtes avec moi. Écoutez. Les instructions. 114. Pasteur Jules. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les nations. Il est à Yusmataïfa. Yes, sir. Les sept sceaux. Okay. Avez-vous les sept sceaux? Ça n'a rien à voir avec les gentils. Puisqu'on avait dit que ce n'est pas ouvert dans les âges. Les livres des sept sceaux passent ici. C'est en dehors. Voilà pourquoi le frère Bana me dit que ça n'a rien à voir avec les gentils. Les sept sceaux. Les sept fléaux. Pigo Saba. Les sept trompettes. Les sept malheurs. Les sept trompettes. Non, absolument rien à voir. Parce que les anges de l'église s'arrêtent d'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Les trompettes, c'est Apocalypse chapitre 8 et 9. Les sons Apocalypse chapitre 10. Au ciel, c'est Apocalypse chapitre 6. C'est après les anges de Dieu. Et les sons ont été ouverts au ciel. Frère Branham dit que les sons se passent au moment de 3 ans et demi. Au moment de la grande tribulation. Si on avait les sons, c'est que la grande tribulation a déjà eu lieu. Mais vous pensez que pour qu'il y ait l'accomplissement, on doit fermer l'église tabernacle? Si on ferme une église en Écosse, la promesse est accomplie. Il y a des frères en Iran. Ils ont été tués parce qu'ils ont tué le message des frères Branham. Tribulation. Et la tribulation, hein, ce n'est même pas tuer quelqu'un. Parce que Esaïe a été scié. Beaucoup des enfants de Dieu ont été tués. Les femmes même disent ceci. Si vous voulez éviter la tribulation, il faut crescer. Parce que l'armageddon, c'est la corne des Écritures. Les femmes même disent ceci. L'Antichrist descend avec ses pentecôtistes. C'est méthodiste. C'est protestant. Et le Christ aussi. Descend avec son église sur les chevaux blancs. Amen. La bataille est acharnée. C'est la guerre des Écritures. Première guerre mondiale. Il reste combien de malheurs? Un seul malheur.
Alors que nous avons Gog et Magog, et nous avons aussi Armageddon. L'un des malheurs, ce n'est pas une guerre physique. L'un des malheurs, qui est Armageddon, c'est la guerre des Écritures. Écoutez, frère Bonhomme. L'église des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Les sceaux. Pendant qu'on ouvre les sceaux. Où est l'église des nations? Dans la gloire. Qu'est-ce que vous appelez gloire? La gloire du Bouffou. Tous les ciels, ce n'est pas ce qu'on pense. Il faut entrer en Christ. Il n'a pas sa vie à Christ. Et Christ, c'est une dimension. Alléluia. Amen. Il ne s'agit là que d'Israël. Daniel et ton peuple. Dernière citation, pasteur. Ah, je n'ai pas envie d'aller. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce qui est dit. Le rassemblement d'Israël. Ce sont les trompettes. Ils ont dit Bagoum. Les trompettes rassemblent Israël. Israël. Quelqu'un les a prêchés d'une manière surnaturelle. C'est qui? C'est le frère Branham. Donc, ce que les trompettes prêchées par William Branham a rassemblé qui? Israël. Israël. Où est frère Branham? Il est déjà parti. Où est Israël? Israël est déjà rassemblé. Les trompettes servent à rassembler Israël. Remarquez, la toute première trompette sonne. Les sangs, les feux, la grève et tout. Sont jetés ça et là sur la terre. Voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Voyez-vous, les ramener dans sa patrie. Ce que vous soulignez. Hitler ont fait, c'était pour ramener Israël à leur patrie. Quand ils devaient partir chez eux, les avions sont venus pour les amener chez eux. Ils ont refusé. Ils ont dit que non. Le prophète a dit que nous allons monter sur les ailes d'un grand oiseau. Et ils pensaient que c'était soit un aigle. C'était un avion. Parce que quand le prophète avait vu l'avion, il n'avait pas de mots. Et il appelle ça un grand oiseau. Parce que le mot avion veut dire appareil, chocolat, imitant, oiseau naturel. Alors on leur dit, non, il s'agissait de ça. Et le frère Branham dira que Nahum a vu la périphérie de Chicago. Il a vu la périphérie de Chicago. Nahum a vu ça. C'est le frère Branham qui le dit. Il dit, qu'est-ce que Nahum dit? Il dit, je vois des voitures avec des torches. Non, il dit, je vois les charrettes avec des torches. Les torches, frère Branham dit que c'était les phares des voitures. Tout ce que les prophètes ont vu, ils voyaient l'ouverture des eaux à Jeffersonville. Quand Jean a monté dans les jours du Seigneur, il voyait ces jours-ci. Ce qu'Abraham avait vu, ce qu'il a salué de loin, c'était la descente de la nuée. Nous avons vu ce que Abraham n'a pas vu. Et Moïse voulait le voir. Il ne voit que son dos. Mais aujourd'hui, nous avons montré son visage. Jamais à aucun âge, Dieu n'a été photographié.
seulement là. Là, c'est la photo de l'ange. Frères et sœurs, dans vos maisons, ne marquez jamais la photo là. Elle était malade. En train de prier. Elle prie. Elle la sort là. Et elle ne tenait même pas la photo là. C'était la photo de la table du Seigneur. Pendant qu'elle était malade, une lumière est sortie de la table du Seigneur. Elle est entrée en elle. Elle est guérie. Qu'en est-il de la photo? Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour William Branham. Sans ces promesses, nous sommes par terre. Frères et sœurs, les sept sceaux, c'est pour nous comme les tresses de Samson. Samson. Samson sans les tresses, il est comme tout le monde. Vous nous enlevez les sceaux, nous sommes comme les pentecôtistes. Et une église qui ne prêche pas les sceaux. C'est une église de pentecôtistes. Même si vous avez la photo de Branham, vous êtes des pentecôtistes. Même si vous avez la photo de Noé, la photo de Noé, ils doivent enlever. Ça, c'est pour nous. C'est la photo de l'église de la famille. Maintenant, ça. Mais femmes m'ont dit ici, permettez-moi de dire ceci. Chaque trompette qui a sonné a sonné sous le sixième son. On va y venir dans quelques minutes. On a eu le son là. Toutes les trompettes ont sonné sous le sixième son. C'est le septième son. Que les 144 000 sont appelés entre le 6e et le 7e saut. Pas après le 7e saut. C'est entre les deux. Parce que le 5e saut, c'est les âmes sur l'autel. Le 6e saut, c'est le saut de la tribulation. Et la tribulation, c'est le 3e demi. Durant le 3e demi, les 144 000 sont appelés. Mais le pouce est à la gloire. En train de fêter le 3e demi. En train de manger avec son Seigneur. Alors, si on doit manger, si on doit manger les makemba, les sambaza. Ah, c'est bon les sambaza. Maman Lorraine, que Dieu te bénisse. Maman Stéphanie, que Dieu te bénisse. Dada, c'est qui mon papa? Et ma maman là-bas qui m'a amené la nourriture. Elle est où? Elle est là-bas. Que Dieu te bénisse. C'est ça la nourriture d'ici. Mais quand Jean est monté, Jean a mangé la parole. Jean a vu les sept sceaux au ciel durant les 3 ans et demi. Pendant qu'ici, il y avait la tribulation. On n'est pas encore arrivé à la 7e trompette. Qui est la grande trompette? Mais je m'arrête ici. On va arriver demain. Je verrai demain pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Alléluia. Les 3 heures et demie. Amen. Merci Seigneur. Le plan. Merci Jésus. Amen. Sortez de la part de Gaza. Acclamons le Seigneur. Pourquoi je vous la parole? C'est ce que nous croyons ici. Et c'est ça la parole. Amen. Amen. Vous savez, quand nous j'étais à l'école, quand nous étions à l'école, il y a beaucoup de bons frères qui sont venus me dire qu'ils deviennent membres de l'Église d'Appel.
Mais par pitié, je les avais renvoyés. Parce qu'ils entendaient déjà un son nouveau de la parole. Mais Dieu me réprimandait de plus en plus. Quand quelqu'un te choisit comme son pasteur, parce qu'il écoute la parole, et il voit qu'il y a une différence, je ne peux pas le renvoyer. N'est-ce pas? Alors je n'enverrai plus personne. Parce que je trouve que c'est ce que nous devons croire ici. C'est ce que nous devons prêcher ici. Amen. Le deux témoins là, c'est William Branham. Croyez à ça? Et Jésus au milieu, c'est toujours William Branham. Croyez à ça? Tous les trois ministères se sont confinés dans William Branham. Et les 144 000 doivent être au bas de la montagne de Sion en train de contempler l'agneau. L'agneau qui brille. Et l'agneau, ce n'est pas l'animal qui marche. C'est le message de l'heure. Amen. La parole est révélée. Le sceau brisé. C'est ça le message. On doit avoir une compréhension nouvelle. Qui vous octroie le droit à la nouvelle naissance? Sans cela, il n'y a pas de nouvelle naissance. On n'impose pas les mains pour la nouvelle naissance. Pour cela, si Dieu a imposé les mains, ils ne sont plus dans les messages. Ils ont une très mauvaise expérience. Et quand la parole est venue, ils n'ont plus résisté. Ils n'ont pas suivi. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire quand vous sortirez d'ici? Ces gens-là vivent mal. Ça c'est l'épouvantable. Ça c'est l'épouvantable. Et à qui vous vient? Qui vous vient? Oh, ces gens-là ne croient pas la guérison. Dites-leur de venir et que nous puissions étaler les témoignages. Et nous verrons qui Dieu guérit. Oh, il ne prie pas. Non, nous ne prions pas comme eux. Parce que nous avons le mystère de comment prier. Nous ne prions pas. Nous prions. Prier, c'est parler avec Dieu. On parlait à Dieu ne signifie pas ouvrir la bouche. Parce que Dieu n'a pas cette bouche ici. On parle avec la voix surnaturelle. La Bible dit dans Esaïe, ils ne finiront pas encore de parler qu'ils seront des. Ils seront en train de prier dans leur esprit. La disposition de l'âme. Je veux vous mettre debout. Tu es joie. Tu es joie.